Chargement un peu particulier ce matin sur les hauteurs des Cibelles. Au sommet de Louillon, à la croisée des différentes stations, se prépare une première. Une première pour le dernier jour de l'année. On est à 2002 et les huîtres souffrent très bien. Ouais. On a une heure pour le faire, il ne faut pas traîner. D'habitude, je reconnais qu'on est plus habitué à mettre du vin de Savoie avec des duos ici. 1500 huîtres sont à ouvrir et elles sont attendues. Les 6 stations des Cibelles ont fait le plein en cette semaine de vacances. 7 écailleurs, professionnels du domaine et amis, enchaînent les ouvertures alors que les curieux font leur entrée. D'une part, c'est le dernier jour de l'année, donc ça a toujours un sens un peu important. On aime bien fêter cette fin d'année. Et au niveau du domaine skiable des Cibelles, on avait à cœur de faire quelque chose d'un peu festif. Et d'autre part, nous avons un bon remplissage dans les stations cette semaine, puisque sur les 6 stations des Cibelles, on a un taux de remplissage moyen de 90%. Donc pour nous, c'est une semaine qui est très importante, parce qu'elle est porteuse d'une part de clients, et l'objectif d'organiser ces événements, c'est de pouvoir les fidéliser. Près de 500 personnes laissent les skis quelques minutes pour une petite dégustation. Tous se pressent autour du bar taillé dans la neige. Le plaisir des yeux rencontre alors celui des papilles. Je suis tout à fait connaisseur, je les trouve tout à fait délicieuses. Elles sont bien fraîches, très plaisant au soleil ici, les pieds dans la neige. Déguster des huîtres, c'est pas banal quand même. D'habitude, je les déguste quand j'ai les pieds dans le sable. Mais là, c'est tout à fait particulier, c'est bien sympathique. Bah, très bien, impeccable. J'adore, je kiffe. Je suis très bien ici, moi, en Cibelles. C'est la première fois que je mange des huîtres à 2000 mètres d'altitude et j'aime bien, c'est pas mal. Je sais pas comment c'est encore, mais elles ont l'air très bonnes et très fraîches. Ça va toutes les minutes, ouais, très bonnes. Ouais, très bonnes. Elles sont nickel. Pour la photo, quand même. On s'éclate. La journée se poursuit sur les pistes pour les vacanciers. Un virage en douceur vers 2020.